Après le métro, après la Place des Arts, après l'exposition, il voulait vraiment ramasser tous les marbres de la gloire qui pourrait découler de l'organisation des Jeux olympiques. Et je pense que c'est un pari qu'il a perdu. Ceux qui ont regardé l'ouverture des Jeux à la télévision se souviendront que le maire Drapeau a reçu une salve d'applaudissements meilleure que celle de reine d'Angleterre. On se sentait comme Montréalais à l'avant-scène du monde, et le personnage qui avait permis tout cela était Jean Drapeau. Alors, il méritait cette minute de gloire. Moi, je pense que ce fut le meilleur maire que Montréal a eu depuis belle lurette. Son échec personnel face au jeu a dû être très lourd à porter, parce que c'est vraiment le seul qui l'a subi.